Bienvenue sur ma chaîne Soso Passion d'épée. Aujourd'hui, on va faire un unboxing vraiment, vraiment spécial qui me touche énormément. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau d'une de mes abonnées de ma chaîne YouTube. Elle était contente d'avoir découvert les Ninjateuses du Québec parce que j'en avais parlé dans des vidéos. Et puis, en allant sur le groupe des Ninjateuses, elle a réussi à avoir mon adresse, et puis elle m'a généreusement envoyé par Amazon des cadeaux pour me remercier, et pour vrai, ça m'a fait super chaud au cœur. Ce qui est arrivé, c'est que la semaine passée, j'ai reçu par Amazon cet énorme sac de jujube framboise. Par Amazon, là, je comprenais vraiment pas. Je me suis dit, bon, je me suis fait ninjater, mais c'était pas non plus dans ma liste, là, je comprenais pas, mais en même temps, j'adore ça. Donc là, j'ai vu quand on envoie avec Amazon à l'adresse de quelqu'un d'autre en tant que cadeau, on peut mettre une petite note par Amazon là, qui est écrite, comme là, elle a dit que à mon ninjaté. Et puis, c'était pour me remercier de lui avoir fait découvrir le groupe des Ninjateuses et tout. Et grâce à ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment, vraiment, extrêmement plaisir pour vrai, là. C'est Madame Brie Lalonde. Et là, c'était écrit, j'espère que tu vas t'amuser à faire cette toile, mais j'avais un sac de jujube. Fait que là, je comprenais pas. Je me suis dit peut-être que c'est le mauvais colis que j'ai reçu. Donc, j'ai réussi à la retracer là, sur Facebook pour lui envoyer un message de remerciement et tout parce que j'étais super contente. Et là, elle m'a dit que c'est parce que j'étais pour recevoir la deuxième partie de mon cadeau au début de cette semaine. Et là, j'ai compris que c'était une toile, évidemment. Mais finalement, je l'ai reçu hier. J'avais extrêmement hâte à ce matin pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Alors, j'ai mon gros sac de jujube et j'ai reçu ça par Amazon hier. Alors, on va l'ouvrir ensemble. J'aime moins ça comme ça. Attendez. Exacto. Je vais l'ouvrir comme ça. Je suis super contente. Pour vrai, là, ça fait super chaud au cœur. Moi, là, je fais ma chaîne YouTube pour parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir. Pour vrai, vraiment, là, un énorme merci. Oh. Ah, vous voyez, c'est ça le petit message de Amazon, justement. C'est marqué que j'ai un cadeau, partie 2 de la part de Ninja Brie Lalonde. Wow! C'est vraiment spécial. C'est quoi cette toile-là? Je sais pas si vous voyez. On dirait du tissu. Ah! C'est bizarre. Ça fait penser à Diamond Art Club, mais non, c'est pas la même texture. Oh! C'est Tiny Art! Mais là! C'est vraiment hot! Je sais pas si tu le savais, mais ça fait longtemps que je me décide pas, mais que je veux l'essayer justement cette marque-là parce qu'on m'a dit que c'était une belle qualité. Ben là, merci! Je vais la virer comme ça, hein? Je vais me faire la surprise en même temps que vous. Alors, mon petit toolkit, barquette blanche. La cire, un stylet rose, une pince qui sert à rien, et des sachets zip, puis des petits trucs. Oh oui! Malade! Ceux qui ne savent pas, la compagnie Tiny Art, il y en a sur Amazon, mais il y en a aussi, là, ils ont leur... si je ne me trompe pas, je pense qu'ils ont leur site, mais ils en vendent beaucoup aussi sur AliExpress. Et puis, ils sont un peu comme Diamond Art Club, dans le sens qu'ils mettent souvent des AB dans leur toile. Un ou deux, mais des fois, il y a même 8 AB dans une toile. Là. Et puis là, je viens d'en croiser un. Ouh, 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 je capote. Alors, c'est des couleurs... qu'est-ce que c'est? On dirait des couleurs d'automne. Orange, jaune, rouge.
Les diamants sont vraiment beaux, là. C'est des diamants ronds. Je vais vous les montrer après, là. La texture de la toile est spéciale, là. C'est très bizarre. C'est vraiment comme tissé, là. Comme un tissu. Oh, feutre. Je sais pas trop. Alors, on va découvrir ça. Mon Dieu, que je suis toute énervée. Un, deux, trois. Oh, wow! Ah, ben là, j'avais raison de dire que ça faisait automne, les couleurs, hein? Malade! Ah, je suis super contente pour vrai, Brie, là. J'aime ça. Puis je vais pouvoir tester Timmy Art. Ah, c'est depuis que Stéphane avait parlé de Timmy Art que j'avais le goût, mais finalement, j'avais pas fait l'achat encore. Je sais pas si vous voulez voir la petite image. J'aime beaucoup les couleurs. Ah! Oh. Ben là, puis comment qu'on sait, eux, c'est quoi leur AB? On dirait que ça a l'air d'être le même principe que Diamond Art Club. Parce que j'en vois ici en dessous de 150. Puis en les... voyons, les couleurs de DMC, ça commence toujours à 150, donc ça doit être ça. Puis si c'est ça, ça veut dire qu'il y a deux AB. Mais là, c'est vraiment un beau cadeau. En plus de mes jujubes. On va regarder les diamants. Hey! Ah, j'ai trouvé les AB. Wow! Je suis super contente. Je suis comme un enfant à Noël, moi. Fait que si vous allez voir, c'est des belles couleurs. Oups, je vais passer la toile. C'est des belles couleurs d'automne. Oups. Voyons, Sonia. Bon. Un beau rouge. Je suis en train de me battre avec, là. Blanc. Et regardez ça. Des beaux AB jaunes et des beaux AB orange. Oh, ça va être cool! Trop contente! Là, il y en a d'autres, hein? Il y a ceux-là ici. Des petits jaunes. Regardez, là, pour ceux qui ne savent pas encore la différence de brillance avec les normales. Un beau orange pétant. Waouh! Ils sont beaux, les diamants, pour vrai, là. Hein? Un petit paquet de 310, parfait. Des gris, une autre sorte de rouge. Des sortes de gris. D'autres sortes de rouge orange. Regardez ça. Non, mais tu sais. Voyons. La gamme de couleurs, là. Oh, mais là. Ce que je vais faire, là. Je vais peut-être succomber à la tentation avant, mais si dans l'été et dans mes nombreux projets, j'ai pas le temps, je vais peut-être la faire au début de l'automne pour me mettre dans l'ambiance de l'automne. Comme ça, je vais pouvoir la faire avec vous puis vous la montrer. Ouais. Mais peut-être que je vais succomber avant, là. Donc, wow! Mais c'est super le fun! Merci tellement, là, à Brie Lalonde pour... Je vais faire ça après. Pour tes cadeaux, là, pour vrai, ça me touche profondément. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai pas ton adresse, mais inquiète-toi pas, je vais me venger. Donc, merci profondément. Je vous souhaite toute une super belle journée. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Bye, bye!